Bienvenue à cette séance du Conseil du 11 janvier 2021, la première de la nouvelle année, comme vous le savez. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous transmettre nos meilleurs vœux pour une année 2021 remplie de santé et d'espoir pour vous et vos proches. Je vous rappelle que le calendrier des séances du Conseil municipal se trouve sur le site web de la ville au villemsh.ca, section Conseil municipal, onglet séances du Conseil. Nous sommes toujours, comme vous le savez, en zone rouge. La séance se tient donc encore de façon virtuelle avec la diffusion en direct sur le web. De plus, généralement, le directeur général et moi-même sommes au pavillon Jordi-Monnet, mais avec la nouvelle directive, vous comprendrez que tout le monde est à la maison. Je rappelle qu'il y a deux périodes de questions, 30 minutes au début et une autre à la fin. Posez vos questions. Il faut vous inscrire au système indiqué sur notre site web. C'est notre directeur général qui va les lire. La première période de questions sera réservée aux points inscrits à l'ordre du jour. Les autres questions seront lues lors de la deuxième période de questions ou, si nous avons du temps dans la première période, on pourra continuer les questions comme tel. Je rappelle également que la séance se terminera au maximum 22 heures. S'il y a d'autres questions au-delà de cette heure, elles seront reportées automatiquement à la séance suivante. En ce qui concerne les demandes de dérogation mineure, des avis publics sont publiés sur le site de villemsh.ca. Pour vos commentaires ou questions, vous pouvez les transmettre par courriel à dérogation.mineure, tout ça au singulier et sans accent, à commercial villemsh.ca ou par le biais de l'outil de clavardage en ligne. Tous les commentaires reçus seront transmis au Conseil avant que celui-ci ne se prononce à l'égard de la demande. Et nous les lirons en direct rendu à ce point à l'ordre du jour. Pour les membres du Conseil, n'oubliez pas de vous exprimer à voix haute pour qu'on vous entende. Exceptionnellement, ce soir, M. Poirier lira les résolutions car les conseillers n'ont pas accès aux résolutions. On a eu un petit problème technique. Alors, M. Poirier va tout lire ça, sauf les quatre premières dont je m'affirme. Je ne vous apprends rien en vous disant que la situation exceptionnelle se poursuit. Nos équipes sont toujours à pied d'œuvre pour continuer de vous offrir des services de qualité, tout en mettant tout en œuvre pour faciliter l'application des mesures de distanciation sociale. D'ailleurs, pour respecter les demandes aux instances gouvernementales, l'accès de la majorité des établissements municipaux demeure fermée jusqu'au 8 février. La bibliothèque Armand Cardinal ouvrira au public pour reprendre son service de presse en contact. L'écocentre demeurera également ouvert selon son horaire habituel. Les autres services continueront d'être offerts par téléphone ou en ligne. Mais l'annonce d'un nouveau confinement est difficile à recevoir. Gardons la tête haute face à la pandémie et misons sur l'espoir à des jours meilleurs à venir. Plus que jamais, il est primordial de continuer notre effort collectif. Il en va de la santé et de la sécurité de tous. Sauvons des vies. Comme toujours, vous trouverez toute l'information sur notre site web ou sur notre page Facebook. Depuis le début de la pandémie, la Ville use de créativité pour offrir à la population des activités sportives et de loisirs adaptées au contexte, tout en ayant développé en parallèle une offre intéressante d'activités virtuelles. Au cours des prochains jours, une programmation spécialement conçue et adaptée à un hiver en mode pandémie sera mise en ligne. Vous y trouverez des activités en plein air et virtuelles pour tous les goûts. Les installations sportives hivernales municipales sont également prêtes à vous accueillir. Trois couloirs de glisse ont été aménagés au parc de la gare et les patinoires sont ouvertes si les conditions de météo le permettent. En vous amusant avec votre bulle familiale, il est important de respecter les mesures sanitaires en vigueur. L'horaire de ces installations a notamment été revu afin de respecter le nouveau couvre-feu qui est imposé dès 20 heures en soirée. Veuillez vous référer au site web pour plus de détails sur les mesures sur l'état des installations. Le nouveau service de boîte au sport annoncé avant les fêtes est maintenu. Les bulles familiales peuvent emprunter du matériel pour la pratique libre du sport au chalet multisport derrière l'école aux Ozias-le-Duc. Une preuve de résidence, naturellement, est requise.
Voici les principaux changements apportés aux collectes de l'année 2021. Nous en avons déjà parlé. Ça serait peut-être bon ce soir de vous faire un petit rappel. Alors, depuis le 1er janvier, la collecte des ordures est devenue mécanisée et le bac roulant est maintenant obligatoire. Je vous rappelle qu'on parle d'un bac gris, noir ou vert, d'un format de 120, 240 ou 300 litres avec une prise européenne. La collecte des ordures passera aux 3 semaines à l'année. Les encombrants seront collectés séparément une fois par mois et sur réservation. Ces changements collectifs nous permettront d'atteindre l'objectif zéro enfouissement. Il s'agit naturellement d'un objectif de société. Il faut prendre soin de notre planète et chaque geste compte. J'aimerais préciser qu'encore aujourd'hui, plusieurs personnes ont une mauvaise compréhension du changement. Ce changement concerne le bac vert ou noir, mais il n'y a pas de changement dans la collecte pour les bacs bleus et bruns. Les collectes de matières résiduelles sont sur la responsabilité de la MRC de la vallée du Richelieu. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez visiter le site web de la MRC ou contacter sa ligne InfoCollecte. Les coordonnées sont disponibles en ligne et sur le calendrier des collectes que vous avez reçues par la poste au mois de décembre est disponible sur le site de la ville. Pour ce qui est de la collecte spéciale des sapins Noël, alors elle va se dérouler le 15 janvier prochain sur tout le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Vous devez placer votre sapin en bordure de la rue de votre terrain, dépouillé de ses décorations, ça va de soi. Le tronc orienté vers la voie de circulation. Avant 7 heures le jour de cette collecte, les sapins seront par la suite réduits en coupe. Alors voilà, ça fait le tour des petites annonces qu'on avait à vous faire. Alors on va commencer avec le point numéro 1. Alors j'ai besoin d'un proposeur pour approuver l'ordre du jour de la séance. Je propose. Alors M. Tonner propose. J'appuie. M. Hull appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, point numéro 2, c'est la période de questions de 30 minutes. Monsieur Saint-Onge, est-ce que nous avons des questions? Il n'y a aucune question pour le moment, monsieur le maire. OK. Alors, il y a une deuxième période, comme on disait au début. Alors, point numéro 2. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour approuver les procès-verbaux des séances ordinaires du 7 décembre 2020 et extraordinaires du 14 décembre 2020 et du 17 décembre 2020. Propose. Je propose. Madame Minier, M. Tanner, tout le monde est d'accord? Oui. Numéro 4, alors j'ai besoin d'un proposeur pour approuver les bordereaux de compte à payer numéro 2021-01A au montant de 1 797 151,25 sous, incluant les cotisations à divers regroupements ou associations au montant de 1 725,69, numéro 2020-01B au montant de 3 978,80, numéro 2021-01C au montant de 576,953,06 sous, numéro 2021-01D au montant de 11 488,52 et également le rapport concernant les dépenses autorisées au cours de la période du 3 décembre 2020 au 7 janvier 2021. Alors, un proposeur. Je propose. M. Tanner propose. M. Brault appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, M. Poirier, oui. c'est là que vous embarquez. Point numéro 5, le rapport des ressources humaines, M. Poirier. Alors que le rapport des ressources humaines numéro 2021-01, préparé par Mme Annie Dionne, directrice du service des ressources humaines en date du 6 janvier 2021, pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2020, soit et est approuvé par ce conseil. J'appuie. Alors, propos. En fait, je propose. Oui, j'appuie. Monsieur Gilbert appuie, Monsieur Gilbert propose, Monsieur Hull appuie. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Numéro 6, c'est concernant la nomination au poste de mécanicien soudant au service des travaux publics, Monsieur Poirier. Alors, considérant la vacance au poste régulier de mécanicien soudeur au service des travaux publics, considérant que Monsieur François Bouchard, actuellement journalier opérateur 3 au sein du dit service, se qualifie pour occuper ce poste,
en vertu de l'article 7.03 de la Convention collective de travail des employés Col Bleu de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Alors, il est proposé que ce conseil nomme M. François Bouchard au poste régulier de mécanicien soudeur au service des travaux publics classe 11, suivant la Convention collective de travail des employés Col Bleu de la ville de Mont-Saint-Hilaire, et ce, à compter du ou vers le 12 janvier 2021, que cette nomination est faite suivant les recommandations de Mme Annie Dionne, directrice du service des ressources humaines en date du 9 décembre, et qu'il y a des crédits disponibles. J'appuie. On n'est pas habitué, hein? Habituellement, la personne qui parle, c'est la personne qui propose. Oui, c'est ça, j'appuie. Alors, je comprends, Mme Minier propose un appuyant. Appuyé. M. Brault appuyé. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Point numéro 7, c'est le renouvellement de mandat d'un membre au comité consultatif sur le développement de la culture et tourisme, M. Poirier. Alors, considérant que les mandats de Mme André Lamontagne et de M. Marcel Poirier, à titre de membre citoyen au sein du dit comité, venaient à échéance le 4 mars 2020, considérant que le mandat de Mme Brigitte Boileau, également membre du dit comité, viendra à échéance le 13 janvier 2021, considérant que ces trois personnes ont manifesté leur intérêt à l'effet de poursuivre leur mandat au sein du comité. Alors, il est proposé que ce conseil renouvelle les mandats de Mme André Lamontagne et de M. Marcel Poirier à titre de membres citoyens au sein du comité consultatif sur le développement de la culture et du tourisme de la ville de Mont-Saint-Hilaire, rétroactivement pour la période du 5 mars 2020 au 11 janvier 2021 et pour la période du 12 janvier 2021 au 11 janvier 2023, ainsi que le mandat de Mme Brigitte Boileau, également un membre à titre de membre citoyen au sein du dit comité, pour la période du 14 janvier 2021 au 13 janvier 2023. Propose. J'appuie. Le tendeur propose, M. Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Alors, oui. Je voudrais remercier naturellement les trois d'avoir accepté de renouveler leur mandat. C'est très apprécié. Point numéro 8, renouvellement de mandat d'un membre au comité de patrimoine et de toponymie, M. Poirier. Alors, considérant que le mandat de M. Julien Beaulieu, à titre de membre citoyen au sein du comité du patrimoine et de toponymie de la ville de Mont-Saint-Hilaire, est échu depuis le 3 décembre 2020, considérant que M. Boileau a signifié son intérêt à l'effet de poursuivre son mandat au sein du dit comité, alors il est proposé que ce conseil renouvelle le mandat de M. Julien Beaulieu à titre de membre citoyen du comité de patrimoine et de toponymie de la ville de Mont-Saint-Hilaire pour la période du 3 décembre 2020 au 2 décembre 2022. Je propose. J'appuie. Alors, M. Tomlin propose, Mme Minier appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. On va remercier M. Beaulieu d'avoir accepté d'avoir renouvelé son mandat. Point numéro 9, c'est concernant la grille salariale 2021 du personnel temporaire non syndiqué au service de loisirs de la culture. M. Poirier. Alors que ce conseil approuve la grille salariale pour les programmes de camp de jour et de relâche scolaire, ainsi que la grille salariale du personnel temporaire non syndiqué pour les postes qui sont énumérés aux dites grilles pour les années 2021, lesquelles grilles soumises par le service du loisir et de la culture jointes à la présente résolution, respectivement comme annexe A et B pour en faire partie intégrante, que ces grilles soit approuvée en conformité avec la recommandation de Mme Élisabeth Quentin, chef de division loisirs et aquatiques au service du loisir, contenu dans son rapport en date du 2 décembre. Je propose. J'appuie. M. Tanner propose, M. Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, juste dire que dans cette grille salariale, ça représente une augmentation de 2 %. Numéro 10, entente de prêt de l'œuvre sculpture fenêtre du Mont-Saint-Hilaire, projet bestiaire de la route touristique du Richelieu, M. Poirier. En considérant l'œuvre d'art pour la sculpture fenêtre de Mont-Saint-Hilaire dans le cadre du projet bestiaire de la route touristique du Richelieu, exposé sur les lieux publics de la ville de Mont-Saint-Hilaire, considérant qu'une entente doit être signée entre le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire et la ville de Mont-Saint-Hilaire relativement au prêt de cette œuvre d'art, considérant que cette entente est pour une durée de 20 ans, soit rétroactivement du 5 octobre 2020 au 20 octobre 2040,
Il est proposé que le Conseil approuve l'entente intitulée « Prêt d'une œuvre d'art » à intervenir entre le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire et la Ville de Mont-Saint-Hilaire dans le cadre du projet bestiaire de la route touristique du Richelieu, laquelle entente est jointe à la présente résolution comme annexe A. Que cette entente soit d'une durée de 20 ans, rétroactivement du 5 octobre 2020 au 20 octobre 2040. Que ce conseil entérine la signature de l'entente par le maire en date du 16 décembre 2020 et autorise la greffière ou, en son absence, le greffier adjoint à signer la dite entente. Propose. Oh. Ah, j'appuie. Madame Minier propose, Monsieur Tonner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, vous savez, dans la pandémie, on cherche des choses à faire. Là. Vous avez un beau projet qui est en place. Il y a 13 sculptures dans les 13 municipalités de la MRC. Alors, je vous invite à aller les visiter, d'aller les voir. Vous allez voir, c'est vraiment un beau projet régional qu'on a pu réaliser. Alors, ça, c'est fait. Numéro 11, c'est concernant une demande de financement, M. Poirier. Alors, considérant que plusieurs plantes exotiques envahissantes sont déjà bien connues comme étant présentes sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire et que certaines y sont même déjà bien implantées, alors que d'autres sont présentes dans les secteurs urbains et agricoles environnants et menacent de s'y propager. Considérant qu'au cours des dernières années, plusieurs efforts ont été déployés par l'équipe des parcs et espaces verts de la ville de Mont-Saint-Hilaire en collaboration avec le Centre de conservation de la nature Mont-Saint-Hilaire pour empêcher certaines plantes envahissantes de se répandre dans les milieux naturels, mais que d'autres espèces se sont bien implantées. Considérant que pour faire face à cette problématique, la ville de Mont-Saint-Hilaire a obtenu en 2020 une aide financière de 8 000 $ de la Fondation de la faune du Québec dans le cadre de son programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes, et que celle-ci a permis de débuter la caractérisation des plantes exotiques envahissantes présentes sur le territoire et que près de la moitié des milieux naturels de la ville ont été caractérisés, permettant ainsi de détecter plusieurs plantes exotiques envahissantes. Considérant que la première phase du projet n'ayant pas permis de caractériser l'ensemble des 547 hectares de milieux naturels de la ville, une deuxième demande d'aide financière est souhaitée afin de financer la main-d'œuvre requise pour finaliser la caractérisation et par la suite mettre à jour le plan d'action développé à la phase 1 pour intégrer les résultats de cette caractérisation. Il est par conséquent proposé que ce conseil autorise le dépôt d'une demande de financement auprès de la Fondation de la faune du Québec dans le cadre du programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes, et ce, d'ici le 15 janvier 2021, et que M. Daniel-Éric Saint-Onge, directeur général, ou M. Benoît Larivière, directeur du service de l'aménagement du territoire et de l'environnement, soient autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente, notamment une convention de financement. Je propose. J'appuie. M. Gilbert propose, M. Hull appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Point numéro 12, amendement à la résolution 2020-505, M. Poirier. Alors, considérant la résolution 2020-505 adoptée lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 17 décembre 2020, par laquelle le Conseil octroyait le contrat ING 20P12A02 à la firme FNX Innov Incorporée pour des services professionnels en ingénierie relatifs à la réfection des rues Saint-Jacques et Saint-Louis. Considérant qu'un amendement doit être apporté à la dite résolution, il est proposé que ce Conseil amende la résolution 2020-505 afin d'ajouter à la fin du deuxième paragraphe les mots suivants et que cette somme soit retournée au surplus non affecté dès l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt qui devra être adopté relativement aux dits travaux. Je propose. J'appuie. M. Brault propose, M. Tonner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Numéro 13, procès verbal de correction à la résolution 2020-452. M. Alors, la greffière dépose au Conseil municipal un procès-verbal de correction à la résolution 2020-452 intitulée « Demande d'autorisation et d'aliénation à la Commission de protection du territoire agricole
lot 1 818 196, 1 818 201 et 214 au cadastre du Québec, effectués conformément à l'article 92.1 de la loi sur les cités et villes. Les corrections sont apportées au deuxième et troisième paragraphe de la dite résolution en modifiant le nom de la compagnie 2965-3434 Québec Incorporé par le numéro 2964-3434 Québec Incorporé. Alors, il est proposé que ce conseil accuse réception du procès-verbal de correction. Je propose. J'appuie. Monsieur Tanner propose, monsieur Lappuie, tout le monde est d'accord? Oui. Bon, numéro 14, procès verbal d'une réunion ordinaire, l'ordinaire du 24 novembre pour le comité de patrimoine et de toponymie, monsieur Poirier. Alors que ce conseil accuse réception du procès verbal de la réunion ordinaire du 24 novembre 2020 du comité du patrimoine et de toponymie de la ville de Mont-Saint-Hilaire. J'appuie. J'appuie. M. Brault propose, Mme Minier appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Rien de spécial, M. Brault, à dire sur le procès verbal? Non, il n'y a pas rien de spécial là-dessus. Parfait. Point numéro 15, procès verbal de la réunion ordinaire du 15 décembre du comité consultatif d'urbanisme, M. Poirier. Alors que ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 décembre 2020 du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Je propose. J'appuie. M. Houle le propose. M. Tanner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 16 concernant les pires, M. Poirier. Alors, considérant les recommandations du procès verbal du 15 décembre 2020 du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants, alors CCU 2012-1504 pour le 711 rue de Versailles, travaux d'agrandissement, plans et recommandations en annexe A, CCU 2012-1505 pour le 1093 rue Béic pour des travaux de rénovation extérieure, plans et recommandations en annexe B, CCU 2012-1506 pour le 1753 chemin des Patriotes Nord, agrandissement et rénovation extérieure, plans et recommandations en annexe C, et CCU 2012-1507 pour le 366 rue Fortier, c'est une révision du PIA 2018-56, agrandissement et rénovation extérieure, plans et recommandations en annexe D. Considérant que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1239 concernant les PIA, il est proposé que ce conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale et les recommandations énumérées ci-dessus et ce conditionnement aux modifications requises ou aux compléments d'informations exigés aux dites recommandations. Les 10 plans et recommandations sont joints à la présente résolution. Je propose. J'appuie. Monsieur Hull propose, Monsieur Tamar appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, point numéro 17, demande d'autorisation des travaux au 150 rue Brunet. Monsieur le Président. Un instant, Monsieur le maire. Je déclare la possibilité de conflit d'intérêt dans le dossier du 150 Brunet et je me retire de tout échange et délibéré dans ce dossier et n'avoir participé à aucun échange entre mes collègues et moi en vue de l'adoption de la résolution de ce soir et ce conformément à notre code d'éthique et de déontologie des élus de la ville. Excellent. Monsieur Saint-Onge, est-ce qu'on l'enlève puis on la ramène? Comme... Vous allez me donner quelques secondes. On va mettre Monsieur Brault en salle d'attente. Excellent. Alors, M. Poirier. Alors, la résolution est très longue. Alors, je n'en ferai pas toute la lecture. Je vais la résumer. Alors, considérant le dépôt d'une demande d'autorisation afin d'effectuer des travaux dans une zone de glissement de terrain dans le cadre des travaux d'agrandissement du bâtiment industriel et du réaménagement du terrain, considérant les dispositions du règlement de zonage 1235, la propriété visée par la demande est située dans la zone à risque de glissement de terrain du ruisseau Vogel. Considérant le même règlement, 1235 précise qu'à l'article 291,
portant sur les mesures relatives au secteur adjacent aux cours d'eau Vogel et Vogel-Lusignan, qu'il y a une interdiction de toute nouvelle construction ou infrastructure, tout nouvel ouvrage, tout travaux de remblai ou de déblai. Considérant que l'interdiction peut être levée, si une étude de géotechnique démontre que l'intervention projetée n'est pas susceptible de provoquer ou d'être touchée par un glissement de terrain. Considérant que selon les rapports géotechniques réalisés par le groupe SM, ainsi que les notes techniques rédigées par FNX Innov Incorporé, l'agrandissement proposé, l'ajout du bassin de rétention des eaux et l'agrandissement du stationnement selon les plans d'architecture déposés n'ont aucune influence sur le facteur de sécurité du site quant à sa stabilité, avec un facteur de sécurité de 1,488, d'autant plus que l'ajout du bassin de rétention représentant un retrait de surcharge, retrait d'un volume du sol, n'affecte pas de façon significative la stabilité générale et globale du terrain. Considérant cette note technique, l'implantation de tous les ouvrages projetés dans le cadre de ce projet, incluant l'agrandissement du bâtiment, l'ajout du stationnement et l'aménagement d'un futur bassin de rétention ne compromettent pas la stabilité du site par rapport à sa stabilité actuelle et par rapport à la présence de la propriété dans une zone de risque de glissement. Considérant la recommandation du CCU numéro 20-12-15-08 du Comité consultatif de l'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, recommandant au Conseil d'approuver la demande et d'autoriser les travaux dans la zone de glissement de terrain pour les travaux d'agrandissement du bâtiment industriel et du réaménagement du terrain selon les considérants relativement à la propriété située au 150 rue Brunet, il est proposé que ce Conseil approuve la recommandation du CCU de la Ville de Mont-Saint-Hilaire concernant la demande afin d'autoriser les travaux dans une zone de glissement de terrain par l'agrandissement du bâtiment industriel et du réaménagement du terrain selon les considérants relativement à la propriété située au 150 rue Brunet et autorise l'émission des permis nécessaires à cette fin. Propose. J'appuie. C'est M. Hull qui a proposé. M. Gilbert a appuyé. Parfait, merci. Alors, on va faire revenir M. Brault. Donnez-moi une seconde, M. le maire. Je permets à M. Brault de revenir en salle. Mm-hmm. M. Brault est de retour, M. le maire. Merci. Alors, point numéro 18, c'est un avis de présentation, M. Poirier. Oui. Alors, un conseiller ou une conseillère donne un avis de présentation à l'effet qu'à une prochaine séance, il fera présenter un règlement amendant le règlement numéro 828 sur la tarification des services municipaux pour l'année 2021 en y remplaçant l'annexe A. Alors, qui donne l'avis de présentation? Je donne l'avis de présentation. M. Tanner. Excellent. Alors, point numéro 19, c'est justement le projet, l'adoption de ce projet de règlement qu'on vient de donner l'avis de présentation, M. Poirier. Alors que le projet de règlement numéro 828-48, intitulé Règlement amendant le règlement 828 sur la tarification des services municipaux pour l'année 2021, en y remplaçant l'annexe A, soit et est adopté par ce conseil. Peut-être à titre explicatif, c'est vraiment l'annexe du règlement. On s'est rendu compte que certaines coquilles et certains éléments y manquaient. Donc, on a apporté la correction. M. Tanner fait la proposition. Un appui. Oui. Appui. M. Hull appui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, ça met fin à l'ordre du jour. On passe au point numéro 20, qui est la deuxième période de questions, M. Saint-Ponge. Alors, bonsoir à tous. Nous avons deux questions pour le moment. Nous allons débuter avec une question de Mme France Pellerin. Bonsoir. Lors de la dernière séance, il a été convenu que le comité CASA 16 se réunirait en janvier 2021 afin de poursuivre sa mission. Quelle est la date de la prochaine rencontre du comité CASA 16 et la date prévue de dépôt des recommandations de ce comité? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en caucus, avant l'Assemblée publique, on a justement posé la question. Il faut savoir que M. Saint-Onge et M. Larivière arrivent de vacances. Hein, ils ont commencé ce matin. Et il est prévu d'avoir une rencontre, les deux ensemble, pour planifier tout ça. Alors, lorsque ça va être fait, ils vont naturellement informer les membres du conseil
et aviser les membres du comité CASA là, pour la rencontre. Autre question, M. Saint-Onge? La prochaine question était de M. Jacques Morneau, était sur le même sujet, donc à savoir, suite à la réunion de décembre, quand est-ce qu'aurait lieu la réunion CASA 16 pour discuter du futur du comité, ainsi que la stratégie pour compléter les travaux pour obtenir le statut particulier de la zone 16. Alors, on vous revient, comme je disais, Mme Pellerin, là, très, 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 très prochainement. Autre question, M. Saint-Onge? C'est tout pour le moment, M. le maire. C'est tout. Alors, dans ce cas, j'ai besoin d'un proposant, d'un appuyeur pour lever l'Assemblée. Je propose. J'appuie. Je houle. Alors, ça met fin à la séance publique. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée et on se revoit en février à la séance. Merci.